quand on rend nous compte qu'il existe 3 enfants sur 10 qui finissent composés, qui finissent composés ici là, qui pourraient accès au niveau de la HSI. Et on nous connaît que la HSI, c'est une phase extrêmement importante pour les bandes élèves, pour tout à fait faire le tertiaire. Et même aussi. C'est l'avenir. Ben oui, c'est l'avenir. Notamment un travail de gouvernement. Et même aussi pour prendre un travail, ou bien pour faire même une étude technique, une étude qui n'est pas nécessairement académique. Si vous réussissez à un bon HSI, bien sûr, il rehausse au niveau. Et ça, je crois, il est très, très important. Et ce n'était pas le cas dans le passé. Je connais, nous tenons un chiffre qui est beaucoup plus fort que ça. Mais je me demande une question, Mervyn. Nous finissons dans 18 000 quelque chose candidats qui finissent à le composer. Nous avons 4460 qui ne finissent aucun crédit du tout. Zéro crédit. 4460. Pas de crédit. Zéro crédit. Mais ça, qui ont fait pendant 5 ans, ça bande l'enfant-là? Qui n'arrive d'autre pendant 5 ans? Est-ce qu'il n'a pas fini un suivi? Quand il arrive forme 2, forme 3, est-ce qu'il n'a pas fini détecter qu'il y a un problème? Quand il arrive forme 4, est-ce qu'il n'a pas connu qu'il y a un problème? Qui fait les autres à le composer ici? Et si nous get banking et moins, est-ce qu'il y a 3 crédits? Presque la moitié. Presque la moitié, soit ajoute 0 crédit, 9 000. 1 crédit, 2 crédits, il fait où? À peu près 9 000. Non, ça veut dire, ouais. Presque la moitié. Mais qui finit arrive ces bandes d'enfants-là pendant 5 ans, un assisier dans une salle, dans l'école, dans la salle de classe, professeur, il n'occupe pas, il paye professeur pour faire le travail, il donne d'autres l'éducation gratuite, il donne d'autres transports gratuits, il donne d'autres livres gratuits, il donne tout ça là. Résultat, c'est quoi? Alors là, il y a un gros problème du système éducatif. Une évaluation bien avant pour guetter si pas ces bandes d'élèves-là capable avoir d'autres faire ainsi. Ou senior ou bien non. Je me rappelle qu'à mon petit collège, il y a un test qui peut faire appel qualifying test. Parce que l'anglais est obligatoire. Ou bien passer dans l'anglais pour gagner au certificat de senior. Et alors, tu fais d'autres, prendre un test au niveau Form 4. Si je n'ai pas passé un test, je ne suis pas capable de faire senior. Mais tu as besoin d'un système pareil pour assurer que ces bons élèves-là, à la hauteur, avant d'être l'examen. Ou ce qui est arrivé à cette dernière des cas, c'est à la discrétion de l'école. Quand, dans Form 4, qui est une fille, qui se résiste à Babon, qui connaît, qui je te même connais, même si je te connais, qui est dans le niveau pour le Form 5, ou bien l'INDESA finit répéter Form 4, je te laisse y monter. Oui. Laisse y monter. C'est comme ça, parce que, pénant aucune directive ou bien règlement au niveau du ministère concernant la montée en Form 5. C'est juste en Form 5 qui, à partir de ce moment-là, elle est là, si vous pas respecter sa critère qui est besoin de 5 ou 3 crédits comme l'IT était auparavant, elle est là qui ou pas capable de monter, mais au niveau de Form 4, qui la préparation même pour Form 5, pénant aucun règlement qui est obligé de respecter. Et moi, je trouvais qu'il y a 4460 élèves qui gagnent zéro crédit là, ils ne font d'autres perdre d'autres les temps. Parce qu'ils savent des élèves là, un paquet est capable d'aller dans une filière technique déjà. C'est l'année qu'ils ont perdu, assis au banc de l'école pour ne rien faire. Mais s'il y a parmi là-dedans un an qui a un talent, du côté technique, du côté artistique, du côté sportif, et ça va là, tu es capable déjà, l'enjeu demande les autres créneaux, qui pas académiques, mais ben créneaux que d'autres cas développer, que d'autres cas faire un métier, que d'autres cas apprendre un métier, d'autres capables, une quantité de choses, comment je peux faire à IVTB. Il est vraiment pas tellement d'accord avec la façon qu'il doit faire à IVTB. Parce qu'il demande beaucoup plus d'organisation, beaucoup plus de matériel qui doit être besoin pédagogique, qui doit être bien équipé, et bandimoun qui est bien mieux qualifié, bandimoun qui est bien mieux motivé pour faire ce bon travail-là. Mais, comme on peut dire, ce bon élève-là, c'est capable de l'enjeu dans les autres domaines, hein, et les autres épanouis dans ce domaine d'après de bonnes aptitudes.